Salut à tous, c'est Nigel. On se retrouve donc pour déjà notre 16e épisode sur Assassin's Creed Syndicate. J'espère que vous allez bien. On va continuer l'aventure. Alors, dans cette aventure, aujourd'hui, on fera pas énormément de choses. Donc, dans cet épisode, à mon avis, on fera le train, on ira chercher nos sous et on fera une ou deux missions, mais alors viteuf. Parce que vous voyez que ce jeu est quand même bien chronophage. Bon, libération d'enfants, on va faire ça, allez. Allons libérer les enfants. J'ai 9 couteaux de lancer, c'est bon ça. Bon. Il me dit que je n'ai pas l'équipement, qu'il faudrait peut-être que je change d'équipement. On verra bien. Ah, scheiße. Bon, écoutez. On va monter comme ça à l'ancienne. Voilà. Bon, je m'en sors relativement bien pour le moment, vous avez vu. Au revoir. Je peux pas me tirer dessus. Ah. Là, bon, ça arrive d'être relativement facile. A priori, je sais pas pourquoi. Je ne comprends pas. Oh oh. Tiens, il n'y a plus qu'à attendre, simplement qu'ils arrivent. Bon, c'est lui qu'on va tuer en premier, par contre, le Bobby, parce que il fait diablement mal. Bon, le Bobby d'abord, voilà. Voilà. Faut pas prendre un mauvais coup dans la bagarre parce que ça signifierait notre mort. Bon, c'est pas grave. On a quand même réussi comme il faut, les gars, à faire ça. Heureusement. On va pouvoir libérer les enfants maintenant du joug. Ah, là, il y a quelqu'un. Voilà. Pas le temps. Il y en a un autre qui arrive. On va devoir le nettoyer aussi. Voilà. Ça va vite être fait. Et on a nettoyé la zone. Ouh.
on s'est relativement bien, comment on dit, bien débrouillé sur cette mission. On n'a plus qu'à libérer nos fameux enfants maintenant. C'est une bonne chose. Voilà, et de deux, je suppose qu'ils sont l'étage d'en dessous, et je suppose bien, évidemment. Voilà. Évidemment, ne mettez pas vos pieds sur des presses comme je viens de le faire. 4 sur 6. Et 6 sur 6. Voilà, libération totale d'enfants. C'était un jeu d'enfants, j'ai envie de dire. Pour Jacob Fry. Bon, ne pas déclencher d'alarme, on reviendra plus tard, hein. Voilà. Nous allons. Allez, ici, on va terminer la deuxième quête. Ce que je vais faire aussi, je vais améliorer mon inventaire, mon arme aussi. Il me semble s'équiper. Améliorer, comment on fait? Amélioration. Non, équipement. Acquérir des ingrédients. Que me faut-il? Super. Bon. Comment, je ne sais toujours pas. J'ai un point de compétence. Ça, je le sais. Trois points de compétence. Une bonne chose. Alors, Jacob Fry, je l'avais dit que je vais monter au corps à corps, c'est bien ça. Voilà. Bon, on va faire ça. C'est déjà ça, les amis. Donc, la mutilation 1 va me permettre de le terminer bien plus vite. Alors. Allons-y, allons voir ce repère. Voilà, hop là. Tiens. Super, j'ai fait fuir tout le monde. Super discret, les gars. Merci. Remettre 2 sur 2. Ok. Évidemment, une fléchette à 500, ça pique quand même, les amis. Hein. Allons donc dans ce repère maintenant. Ah, je suis grillé. Non, ça va. Alors, éliminer les Blighters. Oh, ça c'est déjà. Oh putain, grillé quoi. Déjà, d'office. Voilà. Il a appelé de l'aide. Oh, j'ai pris une bastos, moi. Bon, 6 sur 7, il est où mon copain? Ah, il est là-haut. On va aller le chercher direct. Voilà. Ma copine, j'aurais dû dire. Et encore une fois. Oh putain, le cadavre qui tombe. Et voilà, je viens encore de libérer
Bon, c'est pas dans les... Hein? Dans les règles non plus, mais bon. Au moins, cette zone est safe aussi. On va retourner à chasse aux primes. On va avancer tant qu'on progresse super bien dans la zone, évidemment. On va traverser et on va s'occuper de... Toi, au revoir. Tiens, vas-y. Avançons, avançons, ne nous laissons pas distraire par ces mécréants. Alors, la chasse, on arrive à 65 mètres, hein, donc. Qu'est-ce qui se passe-t-il ici? On dirait que c'est à l'étage. Lol. Pas de bol, c'est là. C'est l'arbre. Scheiße. Vite. Alors, où est-il? Il est là. Je vais le plaquer au sol, attendez. Oh, il s'est barré en calèche. J'y crois pas. Il m'a niqué sur la calèche. Bien joué, mec. Bon, ben, je pense que c'est raté. On va la recamacher, c'est ça qui me délire. C'est le bordel, hein. Les amis. Où es-tu? Et on va me refaire le coup de ce bar en calèche. Lol, j'y crois pas, le mec. Il vient de me le faire. Il me le refait. Lol. Et il a osé, hein. Bon, allez, à fond les babines, les gars. On recherche après Jess Butler. Le cheval s'est barré a priori, super. Bon. Ce Jess Butler va commencer à m'énerver. Bon, c'est pas grave, tant pis. On va retourner voir Jess Butler alors. Je vais le capturer mais pas le tuer, c'est ça qui est super chaud là. Dans le Schmilblick en fait. Merde, il va se barrer.
faire les flics, tant pis. Je vais le plaquer au sol. Non, te barre pas, autiste. Je vais l'assommer. On va régler le problème parce que là ça commence à me saouler. Voilà. Waouh. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein, les amis? Voilà, c'est parti. Oh là. Y a l'air qu'il y ait quand même du monde à mon... Derrière moi, on va donc avancer très vite. Bon, ça passe quoi. Je vais me passer comme ça, écoutez. Voilà. Et une livraison. Une. Dire qu'il se prenait pour le roi du quartier. Ah, super. Non, ça va, il y a une calèche là-bas. Je vais me diriger là-bas vers la dernière mission de cette... Enfin, ouais. Dernière mission de cette émission, évidemment. Ah merde, je dois pas me cacher. Et... J'espère que vous avez passé un bon moment, que je vous ai diverti un petit moment aussi. C'était Naiden, c'est toujours Naiden en tout cas. Allez, c'est bien. N'hésitez pas, la chaîne YouTube, un clic en trop, ou Stexy66 sur Twitch. N'hésitez pas, passez faire un petit coucou, n'hésitez pas, merci. On peut voir ici que j'ai déjà fait 50% de l'embaisse de cette zone-ci. J'ai quand même déjà bien progressé. On va voir ce que ça lui donne. Pas très discret, évidemment. Dans la vie, il faut pas l'être. Ah. Toi. Au revoir. Allons-y gaiement dans la bagarre, hein. Punaise. Heureusement que j'ai du skill. Hein. Wow. J'ai pas pris beaucoup de coups dans l'histoire. Hein. On va se faire celui-ci. Allez, on va régler le problème. Comme ça, on aura fait tout le camp d'un coup, les amis. Allez, on va l'assommer. Comme ça, problème résolu. Et on peut se casser. Et... Je vais fuir le secteur. Et à mon avis, j'aurai une calèche à ma disposition pour me barrer. J'espère du moins. Oh oh oh, bah oui,
Évidemment. Bon. Aïe. Bon, il commence à me saouler les bobitiens. Allez, il va crever communiste. Voilà, bon. Et lui, je vais prendre ça. Voilà. Sa calèche. Voilà. On va le foutre là. Et on va faire un petit tour en calèche, les amis. Lol. En marche arrière, les mecs. Si vous y arrivez un jour à faire ça, calèche, un tour en calèche en marche arrière, vous êtes chaud. Et ben, moi, je le fais. Yeah. Vraiment et tout. Lol. On raconte que la vraie criminelle, c'est sa sœur. J'ai une arme à feu, nickel, nickel. Et c'est ainsi évidemment que ça clôture notre émission notre émission sur Assassin's Creed Unity Lock, notre 16e épisode. J'espère que vous avez apprécié le fait de libérer cette zone de Lambeth. On a fait 60% aujourd'hui. N'hésitez pas. Contactez-moi, envoyez-moi un message, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez, bref, éclatez-vous. Salut, salut, c'était Lydon.